Je suis de formation ingénieur en électromécanique, mais j'ai passé le test comme principal en électromécanique à la SNCB. Ce qui m'attire à la SNCB, c'est au fait déjà c'est une grande boîte nationale que tout le monde connaît bien. Et en plus, tu as toute une formation aux spécificités qui se regroupe en un seul endroit. L'électromécanique, qui est la mécanique aussi, l'électricité, la pneumatique, l'électronique. Donc en un seul endroit, vous savez, vous dégourdir sur toutes les spécialités et ça fait du bien. C'est une société qui vous permet d'avoir une professionnalisation assez poussée parce que vous avez le temps d'augmenter votre expérience professionnelle. Il y a deux sortes de travaux, je veux dire. Il y a la maintenance préventive qui se fait d'une façon sériale. Et il y a la maintenance générale ou la réparation. On attend tout le temps, si un train qui a un souci au cours d'un trajet, on l'envoie. Et éventuellement, il faut être rapide, spécifique, pour ne pas supprimer le train et éventuellement le faire retourner à la gare de midi. Je suis toujours intéressé par l'électromécanique, donc je suis très content de trouver un boulot, un job qui correspond exactement à ce que j'ai fait. Mon fils, il est passionné du train aussi, donc chaque fois que tu rentres, il demande « Papa, qu'est-ce que tu as fait réparer aujourd'hui ?» Tu lui dis « Ouais, j'ai fait une réparation. » Il ne s'arrête pas là, il continue « Mais qu'est-ce que tu as fait au juste ?» Comme s'il comprenait, donc tu continues, tu lui dis ça, ça. Je suis très fier d'avoir ne pas supprimé un train pour les voyageurs, je suis très content. Le conseil que je peux donner, c'est de vraiment choisir la SNCB parce que vous avez l'occasion de faire la différence vraiment entre votre théorie et votre pratique. Et à la sortie, je vous assure que vous avez une expérience incomparable par rapport à d'autres boîtes.